Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, crochetage d'un cylindre City R14 prêté par Vince. Alors ce qui est marrant avec les cylindres de Vince, c'est que on a toujours des surprises avec. Donc celui-ci, je l'ai déjà crocheté plusieurs fois et à chaque fois, j'ai eu des réactions différentes. Donc c'est assez bizarre. Donc les premières fois j'ai crocheté, je l'ai ouvert en crochetant seulement les goupilles du bas, avec des bons retours sur une bobine, sur la cinquième, et ouverture. Et puis après l'avoir crocheté plusieurs fois, je me suis aperçu que finalement il y avait aussi des goupilles en haut qui étaient actives. Mais ça m'est arrivé que quelques fois, donc je lui ai mis un peu de WD-40 là. Et les goupilles du haut ont l'air un peu plus actives maintenant. Par contre, je sens plus de bobines sur les goupilles du bas. Bon, enfin, c'est un peu bizarre. Donc là, avec le WD-40, les placements sont vachement discrets. Il faut être très léger sur l'entraîneur. Et vraiment être à l'écoute des goupilles. Hein. Donc je les descends, je les mets doucement en place. Et là j'ai un décalage. J'ai un décalage et par contre les goupilles du bas elles se placent plus. Donc je vais jeter un coup d'œil en haut. Et en haut j'en trouve une qui réagit un peu. Et voilà. Ouverture et blocage au quart de tour. Ouverture finale à suivre.